Et salut tout le monde, c'est MaxCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Capture, une petite hésitation, je sais pas pourquoi. Donc j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4. J'ai rangé mes affaires, j'ai trié mon inventaire, j'ai replanté ça, on a bientôt un coffre ici. Et du coup aujourd'hui objectif diamant, donc on repart. Le dernier épisode était pas mal mouvementé. Ah, juste avant, je voulais essayer de faire un truc, voir ce que ça fait. Si je prends ça, que... Ah oui, j'ai pas regardé d'ailleurs pour les... Pour... Je sais plus quoi là. Ah oui, pour l'argile. Je vais pas regarder, je regarderai au prochain épisode, vous savez quoi, si j'y pense. Alors, si on fait ça... Ah ouais, il faut faire comme ça. On a 8 argiles durcies rouges, et est-ce que ça marche si jamais... Oh, merde. J'ai pété un truc là. Fuck. Ah, il devait forcément y avoir quelque chose là-dessus si je fais ça. Ah bah cool, c'était un truc rouge. Heureusement que c'était un truc rouge, parce que sinon j'aurais jamais su ce qu'il fallait mettre ici. Donc oh, j'ai eu de la chance. Mais le creeper avait pété, donc faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de creeper là-dedans. Oh ouais. J'ai des flèches de soin, le truc qui sert à rien. Et j'ai 3 vaches champies, mais 3 vaches champies, mais c'est trop bien. Je vais pouvoir faire plein de trucs. Bah du coup j'ai à mort de... Enfin j'ai toute la bouffe qu'il me faut pendant... Mais saute pas sur mes plantes. Toute la bouffe qu'il me faut pour toute l'aventure. Donc alors on va les attirer, ces petites vaches, dans un enclos. Je pense que ce sera... Il y en a une qui s'est barrée. Ah non, elle est là. Je pense que pour l'instant ce sera un trou. Désolé, mais ce sera le trou. Ah bon, pour l'instant ce sera un trou. On leur fera un bel enclos plus tard. Mais là, on n'a pas tellement la place de faire un enclos. Je suis désolé, mais selon les circonstances actuelles, c'est un petit peu compliqué de faire un enclos. Voilà. Non, par contre, on remonte pas. Voilà. Hop, donc on a 3 vaches champies, c'est super, on va les reproduire. Hop, voilà. Faites un bébé, voilà, un bébé champi, c'est cool. Alors, hop, on va du coup replanter ici. Voilà, on prend le seau d'eau, comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre toutes les soupes là-dedans, on va mettre tout ça là-dedans. Ça, sa place est là, ça... On le met là. Ensuite, on fait l'objectif du pain. Boom, bitch. Voilà. Par contre, en fait, je sais pas si on aura le temps de miner du diamant aujourd'hui, mais c'est vraiment un truc qui va être galère, le diamant. Et qui va être long, donc va falloir attendre. Hein. Donc on a nos petites vaches ici, toutes mignonnes. On va les reproduire pour avoir plein de vaches pour pouvoir... Oh, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. On va aller dans leur enclos et on va les buter. Alors, faudrait qu'on en sorte une... Pour pas faire de dégâts aux autres, voilà. Parfait. Hop. Hop, voilà, c'est ça que je voulais. Du coup, on a le truc tanner en devenir. Il nous reste toujours 3 vaches, donc on est tranquille. Hop. Du coup, la bordure s'agrandit encore un petit peu. On n'est toujours pas ici. Il faudrait encore 2. Et comme ça, on pourra avoir ce coffre. Donc ça, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore comme succès? Ben, on a le diamant, on a ça. Du blé léger, des œufs j'ai pas et du sucre j'ai pas, donc ça je peux toujours pas. Peuplement, en fait, ça coupe les 2 vaches. Ah ok, j'ai grillé les étapes. Va falloir attendre un peu du coup, donc le repeuplement, on verra ça un peu plus tard. Quand on remontera. Aéroport, il faudrait un cochon et une selle. Duel de sniper, il faudrait que je trouve un squelette et que je le shot d'assez loin. Sur la bonne voie. Ok, bon, en gros, il nous faut un diamant quoi pour l'instant. Il nous faut du diamant. Alors on va essayer d'accomplir d'autres objets. De voir s'il n'y a pas d'autres trucs rouges. Ah, on en a juste là, c'est rouge ça. Ouais, c'est rouge. Ah non, c'est pink. Ah d'accord. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Vous voyez là, je vais un petit freeze. Alors en fait c'est marqué quand on s'approche. C'est quoi ça? Green. Yellow. Ça c'est du diamant, de l'or et tout.
Ah mais il n'y en avait qu'un seul de rouge en fait. C'est orange. Ouais non d'accord. Donc en gros le rouge on n'en a plus besoin. Ok. Ok. Donc on va descendre comme d'hab. Vous connaissez maintenant hein, le petit chemin. Toi-même tu sais. Donc maintenant il nous faut le diamant. Ça j'ai assez de bouffe quand même. Ça devrait me suffire. J'espère. Donc là il me faudrait de la canne à sucre, de l'obsidienne, du diamant. Et je pourrais me faire une petite table d'enchant. Ce coffre on l'avait déjà, je vérifie quand même au cas où. Ah celui-là on s'approche, mais il y a encore la TNT. Alors on va aller voir, on va pouvoir en casser un peu plus de la TNT. Ok, voilà, une de plus. Faut qu'on fasse gaffe. Là, toujours ah, l'escalier est là, j'avais oublié. On va bouffer un petit peu pour être pour régène. Ensuite on arrive ici vous connaissez, et on va essayer de voir le spawner. Ah bah il est juste là, d'accord. Ok. Oh le petit creeper là. Oh putain. Ça c'était mon téléphone, excusez-moi. Oh putain il sort d'où lui? Vas-y ramène-toi. Ça je le défonce. Mais oh mais genre mais il m'attendait et tout. Vous avez pu voir que même avec... sans vouloir me vanter, j'ai un petit peu de skill quand même. Mais les squelettes sont... Il est passé où le creeper? Putain. Sans vouloir me... Oh putain, il est là. Faut que j'arrête de dire putain. Ok. Ok, ça va, tranquille. J'arrive pas à m'habituer à ce truc de dégâts où il faut attendre, là c'est assez horrible. Donc on a le spawner, c'est cool, on va pouvoir l'aménager. Je sais pas trop comment, mais on va l'aménager, faut encore qu'on l'agrandisse. Donc déjà le spawner est safe, faudrait que je pose une torche, mais je peux pas. Donc on a le spawner, ça c'est cool. Ouah, faut que je fasse gaffe à ça. Ah ok, il est tombé tout seul dans la lave. Ouais, mais en fait, les squelettes sont vraiment cheatés. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ah ok, ouais, là aussi, il faut faire gaffe. Ouais, c'est pour ça que même... Enfin, j'avais l'habitude, moi, du PvP 1.8. Du coup, genre, j'arrivais bien à gérer les squelettes en UHC pour pas me prendre de dégâts. Et maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Alors là, par contre... Je vais mettre ça derrière moi au cas où il n'y a pas un mob qui me pousse dedans. Ah ouais, j'ai encore eu un petit freeze. Ouais bon, va falloir qu'on essaye de sortir de la lave parce que... Moi je voudrais bien creuser en fait. Ah d'accord, je pète ma torche. D'accord, je la remets au même endroit. Ok, ça c'est pas bien. Je vois pas trop comment on peut descendre là. F3. Toujours en 137, mais what? Bon, on va tenter de creuser à un autre endroit. Tant pis pour ici. Voilà, on va reboucher. Et on va creuser vers ici. Avec un peu de chance, on aura plus de chance justement. D'accord. En fait, j'aurais pas dû creuser ici. Voilà. On va partir sur le côté. Hop, alors, je me mets bien. Là, on peut encore descendre. Finalement, notre petite zone s'agrandit, hein, c'est plutôt cool. Là, on arrive vers la bordure. Je vais pas m'amuser à creuser juste à côté de la bordure. Creuser juste ici. Ok, là, on entend encore des mobs. Hop, du fer, c'est cool. Je creuse encore pour mettre une torche. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise derrière le fer. Non, ça a l'air d'aller. Ok, alors, vous savez quoi? On va se mettre là. On va se faire une petite base. J'entends les zombies toujours. Hop, ah, mon plastron a cassé, j'avais même pas vu. Hop, donc on va se mettre lui du coup. Et on va faire cuire un peu de fer. On va se faire une autre pioche en fer au cas où. Et je pense qu'on va commencer à faire le stuff fer parce que là
Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et si on n'est pas bien stuff, ça va être chaud. On a l'air de se rapprocher des mobs. Il a l'air d'y en avoir pas mal. Ok, on est encore à la bordure. Je reprends mes blocs. Voilà. On s'est peut-être éloigné des zombies. Genre, ils devaient être au milieu de notre truc, mais on a dû les louper du coup. C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave en fait. Bon, on devrait les trouver avec ce filon de charbon, je pense. Ok, là on peut pas prendre. Non, ils sont encore dans les alentours. On a encore des chances de les trouver. De toute façon, ça s'étend vers la bordure, donc on devrait les trouver normalement. Toujours pas. De toute façon, dès qu'on n'entendra plus le bruit, on va remonter pour les trouver. Là, on n'entend plus le bruit, donc on va remonter. Pour essayer de les dénicher. Alors, hop, on prend nos petites tartes à la citrouille. Du coup, ouais, ils sont tous par là. Comme ça, on se fait des petites jambières et des petites bottes. Voilà, là on est full stuff. Pas forcément full stuff bien, mais au moins on a du stuff tout autour de nous. Alors. Là on a encore ça. Je me demande vraiment si c'est important ça, mais je pense. Mais je comprends pas. Là ils sont par là, c'est pas possible. Peut-être un peu plus bas, je sais pas. Non. Là, je les entends carrément marcher. Ils sont forcément par là. Je creuse telle une perceuse. T'es une foreuse plutôt. Mais non, toujours rien. C'est relativement chiant. Je trouve pas. Ça me saoule quand je trouve pas. Ok, là, il y a du gravier. Justement, ils sont peut-être à côté du gravier. Ouais. Oh non, c'est notre truc ça. Là, je les entends plus là, mais... Non, ils sont pas par là. Peut-être par ici. Toujours pas. Oh ah ah. On les a enfin. Le creeper. Ok. Mais what? Il prenait pas le KB lui. What the fuck? C'était un petit thug. Alors là. Oh non, on avait un coffre là. Est-ce qu'on peut prendre ça? Oui, on peut prendre ça. Cool. Voilà, ça c'est bon. Ensuite. Ah ok, il y avait de l'XP là. On va vite fait aller faire cuire. Là, je sens que je vais rapidement me paumer par ici. Là, notre four, il est là ou quoi? Ouais, il doit être par là. Alors, je vais reboucher tout ce qui est inutile. Pour pas me perdre. Hop, on va se faire un casque. Voilà, mieux que je me fasse un plastron avant, je sais, mais tant pis. Hop, ça nous fera un petit stuff de rechange. J'aurais pas de quoi me faire un plastron avec ça. Donc... falloir trouver encore un peu de fer. Alors pour trouver, c'était par ici je crois, si je ne m'abuse. On va reboucher du coup parce que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien du tout, ça non plus, et c'est par là normalement. C'est ici. Ah oui, c'est ici. Ok, donc là du coup on rebouche ici. On rebouche ici, 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 et voilà. Du coup, là, on a l'accès ici. On sait parfaitement où c'est. On prend le charbon.
En espérant qu'il y ait du fer ou du diamant derrière, je sais pas. Mais je me demande si le diamant est vraiment couche 11 ou s'il en a mis un peu plus haut quand même. Je sais pas. En tout cas, ça m'aiderait vraiment au niveau des objectifs si je trouvais de l'argile ou si je savais comment faire l'argile là. Mais je regarderai au prochain épisode de toute façon si j'oublie pas. Ah ok, là ça s'arrête là. On avait pourtant une bonne grotte qui avait l'air de continuer. Tant pis, tant pis, tant pis. Du coup on arrive là, mais là on va laisser. On va continuer notre chemin d'avant. En espérant trouver du diamant. Hop. Ah oui, là c'était la bordure, c'est vrai. Mince. Ah, du fer. Bon, on s'était arrêté juste à côté. Comme ça on remonte, on se fait notre plastron en fer. J'entends de la lave là. Un bruit bizarre aussi, je sais pas trop ce que c'est. J'ai juste envie d'aller voir ce qu'il y a en fait. Je crois qu'on va encore passer à côté. Ah, peut-être pas, je sais pas. On verra bien plus tard, lol. Bon, il nous reste 4 minutes. 4 minutes d'épisode. Le diamant, je pense que c'est pas encore pour aujourd'hui. Ça fait 3 épisodes que je le dis, mais bon, il est vraiment bien caché. Enfin, il est bien caché. Alors, hop. Il nous faut encore 3 trucs. On va attendre. On n'a plus tellement de bouffe. Au pire, on mangera de la chair de zombie pour remonter jusqu'en haut. Hop, 6. On attend encore un petit peu. Alors, je regarde vite fait. Mon téléphone, du coup. Ok, d'accord. Petit message. Voilà, bon, on revient. Hop. On attend encore, allez, la petite flèche. Voilà. Maintenant, on a le plastron et on est full stuffer. Donc maintenant, là, on est bien. Clairement, on est bien. On redescend. Hop. On est en Y combien? Oh, on est en Y100. Il nous reste encore 100 blocs à creuser à peu près. Ouais, 100 blocs. Pile 100 blocs. Enfin, 90 blocs pour arriver à Y11. On voit plus rien ici. J'essaie de vous mettre des torches pour que vous voyez. Alors là, on est bloqué. On devrait trouver des choses par là. Quand même. Au pire, on fera la même technique que tout à l'heure si on trouve pas. On devrait trouver, hein. Mais c'est un peu relou parce que quand on doit remonter la mine, du coup, on a 200 blocs à remonter. C'est un peu chiant. Par contre, là, j'entends vraiment mass mob. Je les entends à ma droite. What? What? 0. 9, 10. What the fuck? C'est quoi tous ces petits trucs, là? Bon, vous savez quoi? On va arrêter de creuser. On va aller voir. What? Qu'est-ce que ça fout là? Bon, on va essayer de pas détruire le truc, quand même. Parce que ça a l'air d'être... assez... mince, mais je suis con ou quoi? Bon, tant pis, on va détruire le truc. Ce sera notre entrée. Bon, tant pis pour le verre, hein, écoute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc pour invoquer quelque chose. Ou je sais pas quoi, mais... Winter Vault. What the fuck? J'ai envie de me mettre au milieu. The Winter Vault is locked. En gros, le Winter Vault est verrouillé. Je comprends pas. Si on fait ça, peut-être. Non. Non plus. C'est quoi, là? Là, y'a rien, les amis. The Winter Vault, Winter Vault, je comprends pas. Je vais regarder sur le wiki pour voir ce que c'est. Mais je n'en ai aucune idée. On va continuer de creuser, hein. On va faire genre on n'est pas passé par là. Hop. Ouais, il faudra qu'on aille voir là où il y avait tous les mobs après. Non, bah, on va aller voir maintenant.
Ah, mais de toute façon, on n'a pas le temps, ça fait 20 minutes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On s'arrête ici, du coup. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être qu'il faut qu'on monte là-dessus, je sais pas, moi. Bon, bah du coup, on va se quitter là-dessus. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Ça me fera super plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye bye.